Ah ouais, donc elle ouvre comme ça directement, mais par contre pour répondre, hein, y a moins de monde. Hein. Ciao à toutes, j'espère que vous allez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un What's on my phone. Quand je déverrouille mon portable, je tombe sur ce fond d'écran qui fait partie de la belle et la belle. Donc alors, quand je déverrouille, je tombe sur ma page d'accueil. Alors, on va appeler ça comme ça. Donc le fond d'écran, vous avez reconnu, c'est Adeline et moi. Ensuite, j'ai donc des comptes. Et alors là, je voulais vous présenter mes comptes. Parce que j'ai pris un compte. Alors j'ai celui-ci, donc c'est mon compte à moi, en fait. Vous pouvez me suivre et vous apprendre des rires. Ensuite, j'ai créé un compte pour les One Direction. Parce que... Voilà, tout simplement, j'avais envie de m'ennuyer le matin. Et ensuite, là vous pouvez nous suivre pour être au courant pour la vidéo que je viens de faire. Voilà. J'espère que vous avez noté parce que vous m'enlève. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Et j'ai pas mis des cours pour me dire oui, mais c'est censé faire un jour pour aller voir. C'est juste que la dernière fois, je vous aide, c'est un petit peu ça. Mais quand il y allait, je vous explique l'histoire. J'ai acheté une place pour le dessin et je les ai laissés dans mon tiroir. Et la dernière fois, j'ai rejoint mon tiroir et je suis sur la place. Et dans ma tête, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Donc bref, voilà pour l'histoire du décompte. Ensuite, j'ai le compteur pour le nombre d'abonnés qu'on a sur la chaîne. J'ai donc le téléphone, WhatsApp, Textra. Je vous montre pas l'intérieur de certaines applications parce que je pense que vous les connaissez. Donc WhatsApp, c'est pour parler aux étrangers gratuitement. Textra, c'est une application de message. Et ensuite, j'ai Snapchat. Ensuite, sur la deuxième page, j'ai ma musique et quelques notes. Voilà, de mon blog. Je pouvais l'agrandir encore plus, mais déjà, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. C'est pour mettre des notes. Et comme vous voyez, il y a le bacon, des Mac, potatoes, ice tea. Voilà, c'était du thé normal. Ensuite, je tombe sur la page où je vais le plus. Vraiment, parce qu'il y a Messenger, Facebook. Je vous les montre pas pour bon. Ensuite j'ai le gestionnaire de bugs. Sauf qu'une salle pas spécifique. Mon gestionnaire n'est pas là. Alors je tombe sur cette page. C'est la page. Donc c'est ma page du dessin. Donc ça fait le stylet que je n'ai rien. Ensuite j'ai la page de la scène. Ensuite j'ai une page pour les directions. Ensuite celle de mon et une sur mon hôtel. Je suis une rien sans penser qu'il y a une de mon hôtel. Ça vous voulez souvent. Bref, donc voilà, la possession de la chaîne. Ensuite donc j'ai Instagram. Ensuite j'ai Twitter, donc ça je vous montre pas parce que le compte. Ensuite on a les contacts. J'ai qu'un seul jeu, c'est PewDiePie, le PewDiePie. Donc le but c'est, vous avez une chambre, il faut faire votre studio en faisant des vidéos, vous montez de niveau, il faut faire l'émission, il faut faire des vidéos selon le thème de la semaine, un de tout. Et donc voilà, et après vous gagnez des abonnés, des réponses, et voilà, voilà. Ensuite j'ai YouTube, donc ça je vous le présente pas, parce que si vous êtes en train de regarder la vidéo, si vous êtes sur Google, là c'est plus tout ce qui est photo, donc j'ai ma galerie, Weird Heat, PixArt, Photo Editor et Eraser. Ensuite donc j'ai Play Store, hein, je vous présente pas Play Store. J'ai Google Chrome, mais Google Chrome je l'utilise pas que pour Facebook, mais en fait, voilà, si vous êtes au courant d'un compte... compte, vous pouvez nous ajouter un ami. Voilà. Et sinon, j'utilise voilà pour aller sur internet quand je suis au boulot. C'est pas très bien comme ça, mais ça. Et ensuite, voilà des paroles de chansons, etc. Alors, paramètres et thèmes. Donc, sauf musique. Je ne les utilise jamais.
Ensuite, donc la calculatrice. Je vous la présente pas non plus, voilà, c'est une technique. Ensuite, j'ai Kika Keyboard, donc ça c'est pour modifier mon clavier. Vous allez mettre une photo derrière, faire que ce soit blanc et que l'écriture soit rouge, etc. etc. Que les touches soient pareil, que ce soit rouge, que ce soit carré. Et une voix de merde. Ensuite, j'ai Bitmoji, donc ça je pense que tout le monde connaît aussi, c'est un complètement. Et j'aime bien parce qu'en fait sur Snapchat, et ben, je m'amuse. Voilà. Ensuite, j'ai MP3 Converter, donc ça c'est toute ma vie. Parce que ça télécharge les musiques que tu n'as pas encore téléchargées. C'est pas bien, je sais, mais faut bien avoir ça. Mais, comment dire, les outils pour mes réseaux sociaux. Donc c'est à dire que j'ai l'application hashtag, donc ça nous aide à trouver des hashtags, etc. J'ai Star Music Tag Editor Real Time Subscriber Account, donc c'est l'application générale du compte qu'on avait avant. Ensuite j'ai Followers Assistant, donc ça c'est pour comment vous utilisez pour quelqu'un ne vous follow pas en retour, mais que vous ne le followez pas et que vous l'avez pas vu, vous pouvez le suivre. Si quelqu'un vient de se désabonner à vous sur Instagram, ça ne vous permet pas de voir. Donc c'est juste ensuite j'ai InstaSave, donc ça on copie et colle le lien dans l'application et on télécharge la photo d'Instagram. Par contre ça ne fonctionne pas avec les copies. Ensuite, donc là j'ai mon petit onglet où on est en fait PayPal et une banque. Ensuite j'ai WhatsApp parce que quand mon ami fait voir qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Ensuite donc j'ai la messagerie que je vous ai montré tout à l'heure. Après j'ai l'application dans le compteur de vous avec mon nom d'honneur. Ensuite j'ai tout ce qui est achat, vestimentaire et autres conneries comme Wish par exemple, H&M et Promode, parce que si Wish est écrit sur des pensées, voilà, ça y va. H&M c'est parce que bah, je trouve qu'ils ont des bonnes fringues et que c'est pas si cher que ça, je pensais que c'était hyper cher finalement. Et Promode, ensuite j'ai mon appareil photo et j'ai Google Traduction. Google Traduction, c'est pas bien, mais moi je trouve ça très très bien en fait. Pour 2-3 conneries, c'est très bien. Ensuite là c'est la fenêtre que j'utilise pratiquement jamais. L'agenda, la météo, je m'en sers pas, tout ce qui est Google, donc Gmail, Google Photos, Maps, Google Plus et Drive, je les utilise jamais. Enfin il y a juste Gmail quand on reçoit des mails comme quoi quelqu'un s'est abonné, etc. etc. j'y vais, mais sinon le reste non. Email c'est pareil, je ne les lis jamais. Ensuite on a l'horloge, ça par contre ça m'aide, vous voyez j'ai toutes mes alarmes. Ensuite j'ai l'horloge, donc avec l'horloge française, New York. Ensuite j'ai mon chronomètre et mon minuteur qui me sert très bien quand je fais de la cuisine. La lampe torche, le mode réalisation, iCares, Hangout, gestion, téléchargement, fichier, bloc-notes, enregistreur sonore. Je les utilise jamais. Ensuite cela je trouve que c'est pire, il y a play, film et série, musique, play, jeu, play, kiosque, play, musique, play, livre, radio, FM, service, SFR, SFR, jeu. Je m'en tape le cul par terre de ces applications. C'est comme celle-ci avec sauvegarde, app, SFR, NFC, téléchargement, tableau magique et vidéo. Qui les jamais. Alors ensuite, il y a la petite bande grise que vous voyez juste au-dessus des têtes. Voilà. Qui me sert beaucoup, donc c'est pour me connecter à la wifi dès qu'il y en a. Pour le Bluetooth, la position, ça, je ne sais pas, avec la synchronisation ou quelque chose comme ça. Ensuite, la lumière, pour savoir si je veux fort ou pas fort. Et la dernière barre, c'est censé être mes meilleurs amis Snap. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.
écran juste en dessous, activer la petite clochette pour être sûr d'avoir une notification quand on met une vidéo, commenter Nuggets si vous aimez Nuggets, si vous aimez les croque McDo, vous mettez les croque McDo, si vous aimez les potitos, vous mettez potitos. Voilà. Sur ce, ciao.